Vous êtes à la recherche de la meilleure solution pour gagner en liberté Finance, investissement, crypto-monnaie, stratégie, rentabilité. Comment est-il possible de transformer le risque par la sécurité, la complexité par la simplicité, la peur par la sérénité, la moyenne par l'excellence? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de stratégies efficaces, d'un plan d'action simple et de maîtriser les meilleurs outils d'investissement. Investisseurs, débutants et entrepreneurs, vous voulez plus de liberté? Vous voulez investir votre capital avec la meilleure approche? Voici le fondateur de Fructify.io, Jonathan Novak. Diffusé sur sa Web TV dans plus de 12 pays, possédant plus de 1 million de vues et plus de 30 000 abonnés, voici Jonathan Novak, en direct dans le Nova Live. Bonjour et bienvenue dans ce Nova Live que je suis heureux d'animer ce soir avec le petit générique de Bullrun. Je ne l'avais pas mis depuis quelques années. Donc, je vais faire une analyse complète du Bitcoin et des crypto-monnaies. Vous allez voir, j'ai 40 onglets ouverts. On va faire vraiment une analyse complète en prenant du recul dans un premier temps, en regardant la macroéconomie. Ensuite, en regardant le marché des crypto-monnaies au sens large. Et ensuite, en faisant une analyse technique graphique sur le Bitcoin à beaucoup plus court terme. Et ensuite, une analyse technique graphique sur euh, certaines crypto-monnaies. Voilà. Donc, c'est parti. Comme vous le savez, on ne perd pas de temps. Mettez quelques petits pouces sous ce live pour me motiver et me dire que vous aimez ce genre de live où je fais des analyses techniques graphiques. Parce que vous l'avez vu, le Bitcoin est passé de 56 000 dollars aujourd'hui. Ou 59 000 à 64 000 dollars rien qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est vraiment l'euphorie. Il faut rationaliser tout ça, prendre du recul. Et du coup, vous allez, grâce à cette analyse, savoir plus ou moins qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment. Est-ce qu'il faut vendre du bitcoin Est-ce qu'il faut racheter des cryptos Est-ce qu'il faut prendre des profits Est-ce qu'il faut. On va voir tout ça en prenant du recul, en rationalisant les choses, pas en étant dans l'euphorie. Et on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'il est mieux de faire selon cette analyse Ce n'est même pas mon avis, c'est selon une analyse objective et cartésienne. Allez, c'est parti. Merci pour vos petits likes qui s'accumulent sous ce live, puisque c'est l'indicateur qui me dit que vous aimez ce genre de live que je vais essayer de réaliser une à deux fois par mois afin eh bien, de vous aider à surfer au mieux le marché haussier euh, actuel et à venir. Alors, je vais partager mon écran. Donc, est-ce que je partage tout mon écran Onglet Chrome. Fenêtre. Ouais, bon, on va faire fenêtre. Allez, c'est parti pour le partage d'écran. Je réfléchis. On va faire tout l'écran. Ça sera plus simple. Tac. Alors, normalement, non, vous, vous allez me voir dans le coin. Donc, commençons par cette analyse, donc une analyse que je ferai tous les mois ou bimensuelle des crypto-monnaies. Donc commençons par prendre un peu du recul en regardant la macroéconomie. Parce que vous le savez, si la macroéconomie ne va pas bien, eh bien les, les actifs à risque ne peuvent pas s'envoler. Donc il faut que toutes les planètes soient alignées pour que euh, eh bien, le Bitcoin et les crypto-monnaies continuent d'augmenter. Alors, déjà, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du M2. Donc, on va dire que c'est la monnaie en circulation pour faire simple. Au niveau de la euh, Banque centrale américaine, de la Banque centrale européenne, de la Banque centrale du Japon, etc. Parce qu'en fait, dès qu'ils impriment de la monnaie, ici en bleu, le cours des crypto-monnaies, ici en orange, donc là c'est le Bitcoin, explose. Vous voyez, quand les euh, monnaies en circulation baissent, eh bien, euh, donc euh, est beaucoup moins imprimé, eh bien, nous sommes en marché baissier sur le Bitcoin et les cryptos. Et là, vous voyez, c'est pareil, ça explose en bleu, ça explose en orange. Ça euh, chute en bleu, ça chute en orange. Donc, on a eu un plus bas ici, donc on a eu aussi un plus bas sur le Bitcoin à ce moment-là. Et en ce moment, vous voyez que nous sommes repartis à la hausse. Même si à court terme, c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse, nous sommes quand même dans une zone de en sachant qu'on n'a pas euh, vraiment euh, les infos sur les derniers jours, voire les dernières semaines. Mais c'est quand même reparti, donc euh, ça c'est intéressant parce que vous voyez généralement quand ça repart, ça repart fort. Donc ça c'est bien. Alors je regarde si vous voyez bien mon écran. Bon, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors maintenant, on va regarder la même chose. Euh, mais avec un, euh, un graphique un peu, un peu plus précis. Donc là, on voit toute la liquidité au niveau de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que on est en hausse ou est-ce qu'on est en baisse D'ailleurs, si on rajoute le Bitcoin à ce magnifique graphique, eh bien, on peut voir que quand ici en bleu, ça monte, on a un bull run ici sur le Bitcoin. Quand ici, ça baisse, on a un... Un bear market sur le bitcoin. Donc, vous voyez, je le répète ça à chaque fois, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même important. Et donc là, on voit que nous sommes dans une zone haussière. Donc, le bitcoin et les crypto-nés peuvent monter. Ça, c'est bien. Ils ont le vent dans le dos. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, si on regarde le SP 500 comparé au M2. Donc la monnaie en circulation aussi, bah, on voit que nous sommes dans un canal haussier, mais nous sommes en haut de ce canal haussier. Donc, ça, ce n'est pas génial parce que ça veut dire que potentiellement, euh, eh bien ça pourrait chuter. On verra la même chose tout à l'heure pour le Bitcoin où on en est. Et vous allez voir qu'on est aussi sur un point haut. Euh, donc, restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que ça peut être, euh, voilà, ça peut créer une petite chute à court terme. Ensuite, bah vous le savez, on est toujours haut au niveau des taux. Hein, C'est des taux qu'on n'a pas vus depuis, eh bien, ici 2007, donc on est très haut au niveau des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine et donc de la banque centrale aussi européenne puisque copie ce qu'ils font avec quelques mois de retard. Et donc, pour l'instant, les taux sont maintenus à la au même niveau. Et potentiellement, on aura une baisse dans quelques temps des taux. Donc c'est positif et négatif. En fait c'est positif parce que le fait de baisser les taux, ça fera rajouter de la liquidité sur les marchés, ce qui peut créer des marchés haussiers, des bullruns. Mais en même temps, on va avoir le retour du bâton parce qu'en fait quand on augmente les taux, généralement quelques temps plus tard, il y a une récession. La récession fait que ça fait cracher les marchés. Vous voyez, en 2007, on a eu une augmentation des taux. En 2008... Tout le monde connaît la crise des subprimes en 2008. Hop. Et pareil pour les années 2000, vous voyez augmentation des taux jusqu'en année 2000. Année 2000, il y a eu quoi Eh bien, l'explosion de la bulle internet. Donc, généralement, quand on augmente les taux, au bout d'un moment, ça crée une crise énorme. Donc est-ce que cette fois, ça ne, le sera, ça ne sera pas le cas Je ne sais pas. Mais il faut prendre ça en compte parce qu'à chaque fois qu'il y a une hausse des taux, il y a une récession et un, une crise énorme derrière. Donc, c'est peut-être le prix à payer du, euh, du bull run euh, par la suite, une fois que les taux seront bien baissés. Je ne sais pas. Mais on va préciser l'analyse la, dans un instant. Concernant le dollar, donc vous savez que... Le dollar c'est le baromètre du bitcoin. Là c'est pareil, si on ajoute le bitcoin, hop, généralement, tac, est, moi j'étais là en 2000. Euh, hop. donc c'est quoi ça? Ah oui, donc par exemple, quand le, euh, le dollar chute, le bitcoin monte. Quand le dollar monte, le Bitcoin chute. D'accord Donc le dollar, enfin, on va dire plus l'inverse, le Bitcoin fait pile l'inverse du dollar. Donc là, en ce moment, on voit que il a bien craché à ce moment-là, donc on a eu un marché haussier sur les cryptos et là, en ce moment, on voit qu'il est en train de rebondir, mais on a l'impression quand même qu'il va continuer sa baisse. Bon. On va voir, pour l'instant, ce n'est pas trop représentatif. S'il casse cette ligne de tendance qu'on voit ici, et là, c'est intéressant parce que euh, du coup, euh, ça pourra créer un beau marché haussier sur les cryptos. Et pour l'instant, ce n'est pas trop représentatif. Donc, on va voir ce qu'il en est dans les euh, mois à venir. Ensuite, il faut savoir qu'une euh, actualité importante, c'est que Jeff Bezos et même des milliardaires vendent des milliards d'actions, enfin des milliards de dollars d'actions. Jeff Bezos a vendu 4 milliards d'actions ces euh, derniers jours. C'est énorme quand même. Et souvent, les milliardaires, euh, ils sont bien renseignés quand même. Ensuite, il faut savoir que euh, les États-Unis, ce n'est pas le premier euh, pays qui va être en récession. Généralement, c'est les petits qui tombent avant. Donc par exemple, l'Allemagne est en récession. Le Japon est en récession. Euh, les États-Unis, sont, euh, les, euh, le Royaume-Uni sont en récession. Et il y en a plein comme ça, je peux en lister plein. Donc, généralement, c'est les petits qui tombent en récession avant les grands. Donc, on va voir. Mais euh, ça, faut le garder en tête. Est-ce qu'il va avoir une récession ou pas Même si tout le monde est euphorique en ce moment, moi, ça, ça reste dans le coin de ma tête. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un autre problème, c'est... Euh, oui, je suis désolé, je vous casse un peu l'ambiance. Hein, tout le monde était euphorique avec euh, le marché des cryptos qui explose. Moi, je viens là, je casse un peu l'ambiance. Mais il euh, faut, faut dire aussi les faits. Donc, il y a plein de gens qui vont râler, mais Jonathan, tu n'as rien compris. Bah, je m'en fiche, moi, je dis les faits. Ce n'est pas mon avis, ça, c'est un fait. Donc, les prêts d'urgence des banques régionales américaines, américaines touchent à leur fin. Donc, c'est-à-dire que début mars... La Réserve fédérale américaine pourra plus vraiment subventionner les banques et pourront plus vraiment les aider financièrement. Donc en fait, à ce moment-là, donc en mars, c'est dans pas très longtemps, soit la Réserve fédérale américaine va laisser crever ces banques qui euh, vivaient jusqu'à maintenant artificiellement parce qu'elle les aidait. Soit elle va imprimer plein d'argent pour les aider. Donc c'est possible qu'il y ait un peu des deux, qu'elle les laisse un peu crever pendant quelques jours, semaines, et qu'après, elles se disent, bon, bah, à l'origine, je pouvais plus, ce prêt d'urgence, je ne pouvais plus l'utiliser, mais on va créer un nouveau prêt d'urgence, V2, pour les aider. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura une crise énorme, et qu'on va peut-être repartir vite, un peu comme le Covid. Donc c'est peut-être en mars ou en avril ou en mai. Que tout va se jouer. Mais au bout d'un moment, il y aura sûrement une grosse chute pour potentiellement repartir. Il faut le prendre en compte, ça va se jouer sûrement en mars ou en avril, voire en mai. Alors, ça, c'était les trucs les plus négatifs que j'avais à vous donner. C'est juste les, les planètes. Il manque juste une planète, en fait, pour que ce marché haussier soit stratosphérique. C'est vraiment cette hausse des taux, cette potentielle récession ou pas. Ça, c'est la dernière planète qui nous manquait. Sur les 10 planètes qui nous manquaient pour que cette, ce marché haussier soit extraordinaire, soit stratosphérique, il nous manque une planète sur 10. Ce n'est pas beaucoup. C'était le seul point négatif. Tous les autres, vous allez voir, sont positifs. Alors, il faut savoir que du coup, depuis l'acceptation de 11 ETF Bitcoin, les institutionnels s'excitent. Donc certes, il y a Grayscale qui en vend pas mal parce que leurs frais sont énormes, etc. Mais tous les autres en achètent beaucoup plus que Grayscale n'en vend. Ce qui fait que, du coup, il y a une pression acheteuse énorme. On peut le voir, hier, les mineurs ont miné 900 bitcoins, et hier, les ETF bitcoins ont avalé 9000 bitcoins. Donc, ils en achètent dix fois plus que des bitcoins qui sont créés chaque jour. Du coup, ça fait une pression euh, acheteuse intense qui fait que bah, ça fait augmenter les cours. Donc on n'a pas un bull run là, de, du grand public, on a un bull run d'institutionnel. Le grand public n'est même pas encore là. Et c'est ça qui est ouf. Ensuite, il faut savoir que fin 2024, il y aura les élections américaines. Et euh, comme par hasard, les marchés sont toujours haussiers un an avant et quelques mois après les élections américaines. Donc, du coup, je, mets... je parie quand même que cette année 2024 sera très positive. Ça, c'est sûr. Mais il se peut qu'il y ait un petit caillou dans l'engrenage, entre-temps, euh, peut-être en mars, en avril ou en mai, qui fait que ça va peut-être faire un crash, un retracement important de 20, 30 ou 40 pour ensuite repartir. D'accord parce qu'il y a les élections en plus, donc il faut que les marchés montent. Alors, maintenant qu'on a vu la macroéconomie, on va voir une analyse globale des cryptos. Donc là, on a vu de très haut la macroéconomie, le dollar, les taux d'intérêt, etc. Maintenant, on va voir l'analyse du marché des cryptos dans leur globalité. Alors, je regarde juste si vous m'entendez bien. Alors, bon, waouh, sans connecter, c'est cool. Allez, merci pour vos likes sous ce euh, live, si vous aimez ce genre de live. Donc, maintenant qu'on a vu la macro, creusons un petit peu plus sur le marché des cryptos. Alors, vous le savez, le marché des cryptos monte quand des euh, stablecoins sont imprimés. Là, on voit que nous avions un marché baissier de création de USDT et. Comme par hasard, c'était baissier sur les cryptos. Vous voyez que le point le plus bas, c'était ici, fin 2022, début 2023. Comme par hasard, c'était la fin du bear market. C'était là où le Bitcoin était à 15 000 dollars. Depuis, ils ont imprimé, ils ont imprimé, ils ont imprimé. Ça crée de la liquidité. Et du coup, ça fait augmenter aussi le Bitcoin et les cryptos nés. Donc, pour l'instant, cette planète est aussi alignée. Donc, on est bien et ça continue. Donc, pas de souci. Parfait. Là, c'est l'investissement. Est-ce euh, que les gens vendent ou achètent leur stablecoin, USDT, USDC ou DAI Eh bien, on voit qu'en ce moment, bah, les gens vendent leur stablecoin pour bah, acheter forcément des cryptos. Donc là, on voit en plus que non seulement c'est un bull run d'institutionnel grâce aux ETF, mais c'est aussi un bull run d'initiés. C'est des gens qui avaient déjà des stablecoins qui les vendent pour acheter des cryptos. Donc ce n'est pas un bull run de nouveaux qui n'avaient pas de crypto. C'est des gens qu'on avait déjà ou des institutionnels. C'est important toutes ces infos-là. Donc maintenant, alt-season ou pas alt-season Eh bien, à court terme, oui, on a vécu une petite alt-season. Donc, c'est-à-dire que les petites cryptos ont surperformé le Bitcoin, oui. Mais en vrai, on n'a pas du tout vécu l'alt-season la vraie. Donc là, on a vécu un abuse bouche mais regardez si on se met vraiment en un an, on n'est pas du tout en altcoin season encore. On n'a pas connu la vraie altcoin season encore. Pour l'instant, c'est toujours bitcoin. On est toujours en bitcoin season, c'est-à-dire que le bitcoin surperformait le marché global des crypto Donc tout est encore à venir. L'altcoin season, on n'a rien vu encore. Des fois 20, des fois 50 ou plus euh, sont à venir. Sûrement. Attention, rien n'est garanti. Euh, bien évidemment. Tout investissement comporte un risque de perdre toute partie de son capital. Ensuite, quand on regarde Google Trend et qu'on met le mot crypto, on voit que pour l'instant, ça confirme ce que je viens d'évoquer ici. Pour l'instant, le mot crypto n'est pas recherché sur Google. Donc, ce n'est pas des nouveaux qui investissent. Regardez, quand on a un bull run, c'est ça. Hein La recherche du mot crypto explose. Pour l'instant, c'est le calme plat. Maintenant qu'on a, qu a fait une analyse macroéconomique, qu'on a fait une analyse globale des cryptos, regardons maintenant une analyse globale du Bitcoin. Est-ce que le mot-clé Bitcoin est recherché sur Google Trends Non, tout le monde s'en fout. <laughs> Et ça, ça nous arrange parce que ça veut dire que les initiés ont investi, mais pas les nouveaux. Donc pour l'instant, les médias n'en parlent pas. Et ça, ça veut dire qu'on est loin d'être à la fin du marché haussier. Même si, bon, on va avoir des secousses entre-temps. Regardez, le Bitcoin Cycle Master nous dit qu'on est loin d'être au top encore. Pareil pour cet indicateur qui nous dit, qui met en évidence les, euh, les investisseurs qui possèdent leur Bitcoin depuis plus d'un an. Bah, vous voyez que normalement... Ce nombre d'investisseurs qui possèdent leur bitcoin depuis plus d'un an, normalement, ils chutent énormément en bull market. On l'a vu ici et on l'a vu ici. Pour l'instant, regardez, on est toujours haut. Les investisseurs du Bitcoin à long terme, c'est-à-dire qu'ils gardent depuis plus d'un an, ils n'ont rien vendu encore. Rien. Donc tout est encore à venir. Là, c'est pareil, ce graphique nous montre. Les euh, personnes qui arrivent à court terme, enfin, les personnes qui arrivent à court terme, ce sont les couleurs euh, rouge, orangé. Pour l'instant, il n'y a pas de gens qui sont venus à court terme. Pas, pas beaucoup. Très peu. Par rapport à ce qu'on a vécu lors des derniers pics de bull run. Donc, tout est encore à venir. Là, c'est pareil. Cet indicateur nous dit que. Euh, par rapport à cette moyenne mobile, l'écart type avec cette moyenne mobile, vous voyez euh, bleu, et eh bien quand on est dans la zone verte, on est des super zones d'achat, et quand on est euh, trop au-dessus, ça veut dire qu'on est super zone de vente. Pour l'instant, rien à déclarer. Là, c'est pareil avec cet indicateur, et c'est pareil avec cet indicateur de bubble index, on est loin d'être dans une bulle. Euh, en tout cas, on est loin d'être au pic du marché haussier. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire une analyse court terme du Bitcoin. Ah, par contre, à court terme, les choses se gâtent. Là, on a vu à long terme hein, la macroéconomie, les cryptos à long terme, le Bitcoin à long terme, mais là, on voit le Bitcoin à court terme. Et le Bitcoin à court terme, c'est une autre histoire, ça se gâte. Quand on regarde le Crypto Fear and Grid Index, on voit qu'on est proche des plus hauts historiques d'euphorie jamais vus. Vous voyez, on a vu un pic d'euphorie ici en euh, juillet 2019. C'était quand le bitcoin était aux 14 000 dollars et qu'il a craché euh, suite au Covid à euh, 5 000. On a vu ceci en 2021, donc quand on a eu le bull run énorme sur les cryptos, et on est en train de revoir ça en 2024. Vous voyez, il est venu très rarement dans cette zone des 79 points. Une fois ici, une fois ici. Ici, ici, ici. Et à chaque fois, on était à un pic, soit local, soit total. Donc, à court terme, je répète, hein, ce n'est pas la même chose à long terme et à court terme. À long terme, on est loin d'être au pic du marché haussier, mais à court terme, on aura peut-être un top local. Pareil pour le CBBI, lui, il nous dit que ça ne sent pas bon. En fait, vous voyez que cet indicateur nous, euh, nous classe euh, les points d'achat intéressants et les points de vente intéressants entre 0 et 100. Quand on est proche de 0, on est sur un bon point d'achat, vous voyez ici en bleu, et quand on est proche de 100, on est au pic du bull run. Aujourd'hui, nous sommes à 74 sur 100. Vous voyez en 2019, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on était à 14 000 dollars ici. Il est venu aux 60 points et il a craché énormément. Donc, aujourd'hui, on est à 74 points. Donc, je vous l'ai dit, à long terme, on est loin des pic, mais à court terme, on a potentiellement un top local pas très loin. Pareil pour les euh, profits nets non réalisés. On commence à être dans une zone de grands profits, donc, si tout le monde est en grand profit, bah, tout le monde a envie de vendre un peu. Pareil pour le ratio de Sharpe. Si vous, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un ratio qui nous dit est-ce qu'aujourd'hui euh, le potentiel gain vaut le potentiel risque bah, Vous voyez qu'aujourd'hui, ça ne vaut pas du tout euh, le coup d'investir dans le Bitcoin. Je ne vais pas parler des autres cryptos, hein, mais d'investir dans le Bitcoin. Ça ne vaut pas du tout le coup entre le ratio. Risque-récompense. Le ratio de Sharpe nous dit que il est bien trop risqué d'investir aujourd'hui dans le Bitcoin pour le potentiel peu de gains à venir. En fait, il faut que ça fasse un peu comme 2019 ici, que ça monte ici, après ça crache. Là, il y aura un meilleur ratio de Sharpe, donc un meilleur ratio risque-récompense. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra risquer moins et gagner plus pour ensuite repartir. Mais là, on risque beaucoup pour gagner peu sur le Bitcoin. À court terme, hein, toujours pareil, est, on est là sur l'analyse court terme. Ensuite, ça, ce n'est pas intéressant. Bon, maintenant, faisons une analyse concrète sur le Bitcoin en regardant les graphes. Bon, vous voyez, moi, j'aime bien utiliser les ratios de Fibonacci, vous le savez. Et en fait, quand on prend le point le plus bas et le point le plus haut, de euh, la baisse précédente, généralement, ça nous dit que la zone des 61,8% de Fibonacci sont résistantes et ça fait cracher, voire les 78. Et regardez, ici, j'ai fait pareil, j'ai pris le point le plus haut et le point le plus bas de la chute précédente. Et normalement, les 78, euh, les 61,8% de Fibonacci sont là. Donc vous voyez, on a eu du mal à passer. On a fait quand même une chute de 20% ici, vous vous souvenez. Tac. Et les 78% de Fibonacci, normalement, sont compliqués aussi à passer. Bon, on n'est qu'une bougie aujourd'hui. Hein. On va voir avec la bougie euh, weekly comment ça se passe. Peut-être que d'ici là, on sera en dessous. Donc ça, déjà, c'est une résistance. Voilà, vous voyez. Ça, ça va être compliqué à passer en clôture hebdomadaire, au moins 7 jours au-dessus, mais aussi l'ancien plus haut historique, là, là, entre bah, son niveau auquel il est en ce moment et ce niveau-là bah, de l'ancien plus haut historique, ça aussi, généralement, c'est compliqué à passer. Donc là, on arrive dans une zone de grande surchauffe. Si on regarde aussi le RSI, on va se mettre en weekly, tiens. Regardez le, le RSI en weekly. On va même même se mettre sur le j'ai passé d'historique. Voilà. Regardez le RSI en weekly où on se trouve. Regardez quand il arrive dans cette zone-là. La zone actuelle. Regardez. Est-ce que c'est une zone saine d'achat ou est-ce que c'est objectivement une zone surcotée Regardez, quand nous étions là, le Bitcoin a craché. Bon, je vais ranger un peu mon bazar là. Tac. Ensuite, quand nous étions là, c'était une zone compliquée. Là, crash, 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 crash. Aujourd'hui, nous sommes là. Bon, c'est rationnellement une zone où il faut prendre un peu de profit. Un petit peu, moi j'ai vendu quelques pourcents. 1, 2, 3, 4, 5 Parce que regardez combien vous avez gagné aujourd'hui avec les cryptos. Moi j'ai regardé, je ne vais pas vous dire le chiffre, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Regardez ce que vous avez gagné ces dernières 24 heures. C'est vraiment incroyable. Donc, on a compris que c'était une zone. Un peu surchauffe à court terme. Il est probable que, du coup, euh, on ait un moment de retracement. Ça peut très bien monter encore un peu, hein. mais euh, du coup, il va sûrement chuter de 20, 30, voire 40% pour ensuite repartir. D'accord Mais ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Avec les cryptos, rien n'est sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, au moment où je dis ces mots, le cours est surcoté. Et c'est des zones de prise de profit, partielle, pas totale, partielle, puisqu'on l'a vu, que nous sommes au tout début du marché haussier. Il y a encore tout à venir. Le Bitcoin va monter sûrement au-dessus des 100 000 dollars dans les 12 ou 24 mois. Donc, il ne faut pas vendre tout maintenant. On vend quelques pourcents. Selon moi, ce n'est pas un conseiller en investissement, vous le savez. Ensuite, regardez le bitcoin comparé à la monnaie en circulation, comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La monnaie en circulation, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps. Hein. On l'a vu euh, tout à l'heure avec les graphiques. Donc, en fait, ce graphique est très important. Est-ce que vous comprenez ce graphique? Il nous dit en fait qu'à chaque fois, il a trouvé les tops en, euh, en clôture monthly. En clôture monthly. On peut même rajouter ce truc ici. Le bitcoin n'a jamais, de toute sa vie, réussi en clôture monthly à passer cette ligne. Jamais. De toute son existence. Jamais. Alors que, vous l'avez vu, le Bitcoin, pourtant, a monté. Vous voyez que ce top-là, ce top-là, est plus bas que ce top-là. Alors, c'est un peu compliqué à regarder, là. Je ne sais pas comment faire. Euh... Voilà, je vais essayer de faire un truc comme ça. Moi, ouais, ce n'est pas facile. Bon, on va faire comme ça. Vous voyez, en fait, ce top-là, Ah, je m'y perds, pardon. Donc ce top-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. Et vous voyez que celui-là, il est bien plus bas que celui-là. Et pourquoi celui-là, il est au même niveau Celui-là, il est plus haut. Et pourquoi celui-là, il est au même niveau Et celui-là, vous voyez, il est à un autre endroit. Et pourquoi celui-là, il est au même niveau Donc en fait, on voit bien que ce qui fait la pluie et le beau temps, c'est l'argent. Est-ce que de l'argent est imprimé ou est-ce que de l'argent n'est pas imprimé Donc, du coup, regardez où on se trouve aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que ça ne peut pas monter plus haut. Parce que regardez, en clôture hebdomadaire, on est monté plus haut. Vous voyez, on est monté plusieurs semaines au-dessus. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Donc, on peut toujours monter au-dessus. Mais, bon. Quand on regarde tout ce que je vous ai dit à court terme, il se peut qu'il y ait un retracement de 10, 20, 30 pour ensuite repartir, je pense que cette fois, il cassera vraiment et qu'on aura notre bull run après. Mais à court terme, ça sent la surchauffe quand même, à court terme. Pareil pour la dominance du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin eh bien, on, comme je vous ai dit, on est toujours en Bitcoin Saison. C'est le Bitcoin qui surperforme le marché des cryptos. Le Bitcoin a fait 10% de perf aujourd'hui. Regardez. Donc là, on est toujours en Bitcoin Saison. La dominance du Bitcoin augmente. Mais on n'est pas loin de renverser la tendance. Après ce, cette baisse-là, je parie qu'on reversera la tendance et qu'il sera bon de vendre un peu de Bitcoin pour acheter d'autres cryptos parce que ce sera les autres cryptos qui vont surperformer le Bitcoin dans pas longtemps, dans les jours, semaines à venir. Ensuite, une analyse court terme euh, des cryptos. Donc, par exemple, du Total 2, bah, vous voyez, j'avais fait cette ligne et ben, vous voyez qu'elle est totalement euh, correcte. Hein. On est monté, on a recraché et on a explosé. Donc, vous voyez que... Euh, pour l'instant, eh on a fait quand même pas mal de, de performances hein. en quelques semaines. Le marché, des cryptos, donc euh, le marché des cryptos hors Bitcoin a fait une hausse de 37% en quelques semaines. Ensuite, donc là, c'est le total 2, c'est-à-dire le marché des cryptos hors Bitcoin divisé par le Bitcoin, comparé au Bitcoin si vous préférez. Ben là, c'est pareil. On voit que ces derniers temps, le marché des cryptos, donc les altcoins, dont l'Ethereum, a sous-performé le Bitcoin, mais que nous arrivons sur une magnifique, un magnifique support et une magnifique tendance long terme qui fait que bientôt, il va falloir vendre un peu de Bitcoin pour acheter de l'éther et d'autres cryptos. Dans les jours, à semaine à venir, après la potentielle chute à venir. Ensuite, ça, c'est euh, bah, la dominance du top 10 des cryptos. Vous voyez, et eh bien euh, ce que j'avais dessiné s'est produit aussi. Et maintenant, analysons brièvement quelques altcoins. Donc, par exemple, l'Ethereum. Bah, L'Ethereum, normalement la première target, c'est l'objectif de. Enfin, c'est la hauteur de son triangle. La première target, c'est la hauteur de son triangle. Ah bah vous voyez, la première target il a, il a déjà explosé. Donc on ne sait pas si ce sera la clôture euh, euh, Hebdo ou pas. Mais vous voyez, ensuite, la deuxième résistance, c'était ici. Bon, bah il a pile euh, rebondi dessus. Est-ce que c'est un moment d'acheter de l'Ethereum Non. Il faut attendre un petit retracement. Là, c'est pareil pour euh, Bitcoin et Ether. Et pour XRP, bah XRP, il a perdu 3% aujourd'hui alors que tout le marché a explosé. Bah lui, il perd. Euh, pour l'instant, euh, pas, de, pas de signe de vie. Euh. Donc, pour l'instant, rien de spécial sur XRP. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, au plaisir de répondre à vos questions. Waouh, 140 connectés. Donc, ça fait plaisir. Qu'en pensez-vous de cette analyse Est-ce qu'elle est assez complète pour vous Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce que vous avez des questions Qu'en pensez-vous Dites-le moi dans le chat. Merci pour tous vos likes. Et euh, bah, si vous voulez qu'on vous aide plus personnellement, on peut. Alors, je vais vous partager mon écran. Et si vous voulez, on peut vous aider plus personnellement. Donc, euh... parce que si vous, vous voyez mes performances, c'est vraiment. C'est vraiment pas. Je ne peux pas le partager tellement c'est n'est pas, pas croyable. Mais je vais vous en partager quelques-unes maintenant. Alors, il faut juste que je partage mon écran. Forcément, ma fenêtre n'apparaît pas. Allez, Titine. Onglet fenêtre. Ah, ça y est. Tac. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à gérer ce marché aussi à venir et les potentielles baisses à venir. Peut-être que vous avez l'impression que c'est compliqué de savoir quand acheter, quand vendre. Peut-être que vous vous dites bah, Je me sens un peu seul, ou peut-être que vous rejoignez des groupes, mais bon, vous vous sentez quand même un peu seul parce que vous êtes submergé d'informations. Vous ne savez peut-être pas euh, quelles crypto acheter qui vont euh, multiplier leur, euh, leur cours euh, en peu de temps et vous avez plein de questions et vous ne savez pas les, qui, qui les poser. Donc en fait, on peut vous aider si vous souhaitez, c'est facultatif, bien évidemment. Euh, J'ai une question à vous poser. Est-ce que si un trader pro pouvait vous aider personnellement à optimiser votre portefeuille de crypto-monnaie ou le créer si vous n'en avez pas, est-ce que ça pourrait vous aider à gérer votre portefeuille plus serre? Sereinement et plus simplement. Bah, si vous avez besoin d'aide, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'aide, hein, qui gèrent tout seul ou qui pensent gérer tout seul, <laughs> et bien, dans ce cas-là, on peut euh, vous aider. Et euh, j'ai deux choses à vous proposer si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'aide, si vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Et bien, on peut vous aider euh, avec une aide personnelle ou une aide commune. Et où D'ailleurs, vous pouvez prendre les deux, il y en a qui ont besoin des deux. Donc, je vais vous présenter, euh, dans un premier temps, l'accompagnement, mon portefeuille crypto. Et dans un second temps, je vous présenterai le club privé dans lequel je partage toutes mes crypto-pépites au quotidien. Tous les jours, je partage des euh, actus sur le marché des cryptos, je partage eh bien, mes crypto-pépites. Euh, je vais vous montrer des exemples dans un instant et vous allez voir que c'est. C'est pas croyable. Et d'ailleurs, s'il y a des membres du club ici dans le live, dites votre avis sur le club, dites les performances qu'on a dans le club euh, avec tout, euh, tout ce qu'on a pu faire. Et vous allez voir que euh, c'est énorme. Donc, dans un premier temps, je vous présente l'aide personnelle. Donc, c'est le premier accompagnement privé qui vous permet de créer votre portefeuille crypto si vous n'en avez pas, ou d'optimiser votre portefeuille crypto si vous en avez un. Côté d'un trader professionnel, parce que parfois on a besoin d'une aide personnelle. Certaines personnes ont besoin de ça, donc je vais aller vite. Donc je vais vous présenter soit créer son portefeuille crypto, soit optimiser son portefeuille crypto. Donc, dans un premier temps, pour les personnes qui n'ont pas de crypto, ça vous concerne c'est l'accompagnement, créer votre portefeuille crypto. Donc, un, vous prenez un rendez-vous avec votre trader pro deux, vous créez votre compte avec lui. donc, il va vous aider à créer votre compte, faire votre kyc, mettre les infos de sécurité. trois, il va vous expliquer comment déposer votre capital. quatre, il va vous expliquer concrètement comment acheter des cryptos à fort potentiel. cinq, il va vous expliquer comment automatiser vos achats. six, comment optimiser la performance de manière automatique. et sept, comment retirer vos potentiels gains et votre capital si vous avez envie. Donc, ça, c'est l'accompagnement pour ceux qui veulent créer un portefeuille crypto parce qu'ils n'ont pas encore de crypto, ils ne savent pas comment commencer. Et ils sont accompagnés par un trader pro qui ne donne pas des conseils en investissement parce qu'il n'a pas le droit, mais qui va vous aider techniquement à euh, le faire, à créer ce portefeuille. La deuxième chose, c'est toujours avec ce trader pro, mais là, on va optimiser le portefeuille crypto. Donc, c'est pour ceux qui possèdent déjà des cryptos. Donc. Dans un premier temps, il va vous donner un avis sur, enfin son avis sur votre portefeuille crypto. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de conseil en investissement. Il donne simplement son avis. Ensuite, il va vous partager les meilleurs cryptos du moment. Donc ça, lui, il est à l'écoute des infos sur le monde des cryptos. Donc il vous partagera des cryptos pépites du moment. Mais là, c'est personnel. C'est entre vous et lui. Ensuite. Ce trader pro, pro, procédera à des analyses graphiques des cryptos que vous souhaitez. Il pourra alors vous indiquer si une crypto est sur une bonne zone d'achat ou une bonne zone de vente. Parce que parfois, dans un club privé, eh bien, les infos passent et vous ne les voyez pas. Vous avez parfois besoin de quelqu'un avec vous qui vous dit Ah, bah, ben, cette crypto, graphiquement, suite à son analyse graphique, elle est surcotée ou elle est un super point d'achat. Et bien sûr, il répondra à toutes vos questions. Comme ce Trader Pro a un hein, temps limité, bien sûr, on limite les places à 20 places. Alors, je ne vais pas expliquer toute ma société, vous nous connaissez, hein, on est passé sur plusieurs médias, BFM TV, BFM Business, on a des ribambelles d'avis de, positifs, etc. Alors, ces deux offres sont vraiment, vraiment un tout petit investissement, il ne faut pas regarder combien ça peut vous coûter, mais combien ça peut vous rapporter ou vous éviter de perdre. En fait, le premier accompagnement, créer son portefeuille crypto pour ceux qui n'ont pas de crypto, c'est seulement 190 euros. Et le deuxième accompagnement pour optimiser son portefeuille crypto pour ceux qui ont déjà des cryptos et qui veulent là aussi un trader pro pour les aider de manière personnelle, mais pas personnalisée, hein, c'est pas pareil, on ne donne pas des conseils en investissement. Eh bien là, c'est 490 euros. C'est limité à. 10 places pour créer et 10 places pour optimiser. En plus, vous, payez, vous pouvez payer en 3 fois sans frais grâce à Klarna. Vous verrez sur le bon de commande, vous pouvez payer avec Klarna, c'est en 3 fois sans frais. Alors, je peux répondre à vos questions concernant cet accompagnement et je vous donnerai le lien. Bah, je vais vous le donner maintenant d'ailleurs. Je vous donne accompagnement ici. Si vous souhaitez réserver, plafonner à 20 places au total. Voilà, donc vous avez le lien, cliquez sur ce lien, premier arrivé, premier servi. Et je réponds à vos questions dans un instant hein, concernant les cryptos. Dans un premier temps, euh, je termine ma, ma présentation de produits et services. Donc maintenant que je vous ai présenté cette aide personnelle, maintenant vous pouvez euh, ajouter ou choisir uniquement le club privé. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'une aide. Euh, personnel mais qui ont surtout besoin de passer au niveau supérieur, qui ont besoin de crypto pépites et qui ont besoin d'aide quand même pour, eh bien, savoir quand il est mieux de acheter et quand il est mieux de vendre. Selon moi, dans ce club, je partage tout ce que je fais au quotidien et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à forte valeur ajoutée. Donc, ce club, c'est une deuxième offre que je vous présente ici. Comme ça, c'est on touche un peu tout le monde, hein, plutôt les débutants et là plutôt les personnes plus expérimentées dans le club qui veulent passer au niveau supérieur. Donc, les cinq piliers de ce club, c'est quoi bah, C'est qu'un, vous êtes en contact avec moi parce que moi, je partage presque quotidiennement des crypto pépites, des crypto à fort potentiel. J'ai même partagé une, une liste de cryptos qui, font, qui vont faire un objectif de x100. Ouais. J'ai fait 20 cryptos qui ont l'objectif de faire x100. Je dis quand je vends, je dis quand j'achète. Par exemple, j'ai vendu un peu à 63 000 tout à l'heure. Je l'ai dit. Ensuite, vous avez la mise à jour de tout mon portefeuille en toute transparence. Quand j'achète des ICO, des NFT, des cryptos long terme, des cryptos coup de poker, des cryptos pépites, des lunchpads, des airdrops, de la finance décentralisée ou autre, je partage tout. Ensuite, vous avez un canal d'entraide, donc le canal où je partage toutes les actualités des cryptos, de mon portefeuille, etc., mais aussi un groupe dans lequel vous pouvez discuter entre vous et vous entraider. Un groupe de discussion. Vous avez une lettre mensuelle, d'ailleurs, je l'ai envoyée ce matin, la lettre mensuelle du mois de février, où je récapitule toutes les actualités que j'ai menées dans mon portefeuille au mois de février. Comme ça, ça récapitule tout de manière très simple en un email par mois. Et vous avez un espacement pour vous aider si vous avez des complications sur certains points. Voici quelques exemples qu'on a partagés dans le club. D'ailleurs, là, les membres du club, si vous êtes connectés, dites-le que c'est vrai hein, ce que je dis. Dites-le parce qu'on ne me croit pas, sinon. Dites-le si vous êtes du membre, des membres du club, que c'est vrai. J'ai présenté le 25 février, donc il y a trois jours, le doggy. 1,58$ et j'ai même fait une annonce SNCF, <laughs> j'ai mis la musique SNCF et j'ai dit votre attention s'il vous plaît les retardataires pour l'achat de doggies euh, en provenance de la Terre et en direction de la Lune va partir les retardataires sont amenés à investir dès maintenant <laughs> j'ai dit un truc comme ça et c'était le 25 février, il y a trois jours. J'ai dit 1,58$, il faut absolument acheter selon moi. On était là, il y a trois jours. On était là, et aujourd'hui il est à 3$. dollars. Donc c'est à dire que on a fait un fois deux en trois jours. On a fait un fois deux en trois jours. Voilà. Et Dites-le les gens du, les membres du club que c'est vrai ce que je dis. Pareil, j'ai fait un live hier, un live privé. Vous voyez, c'est nos répertoriés uniquement pour les membres du club où je réponds à toutes leurs questions. On a acheté du TADA à 29 centimes. Il a fait une mèche à 43 centimes. Donc, il a fait une mèche à plus de 50% en un jour. Pareil, j'ai fait un, une liste de 20 cryptos qui ont le pouvoir de faire x100 dans les 12 à 24 mois. Voici cette liste. Bien sûr que j'ai flouté par respect pour les clients, je la met, je la montrerai que pour les membres du club. Je pense que ces cryptos, ces 20 cryptos vont faire x100 dans les 12 à 24 mois. Donc certaines ne feront pas x 100 x100. Certaines peut-être vont mourir, mais d'autres vont faire x100, x200, x plus et je pense qu'une majorité feront x100 selon moi. D'ailleurs, un exemple que je vais vous montrer maintenant, que nous avons acheté dans le club le 30 janvier, parce que c'est le 30 janvier que j'ai présenté cette liste, à 6 centimes, et aujourd'hui, elle est à plus de 23 centimes. C'est un x4 en 28 jours. x4 en 28 jours, quand même pas mal, mais objectif x100. Donc, du coup, concernant cette deuxième offre, je vous ai présenté l'accompagnement tout à l'heure avec créer ou optimiser son portefeuille. Et bien maintenant, je vous présente une autre offre, c'est le club privé pour les personnes qui veulent passer au niveau supérieur. Et donc, c'est vraiment gratuit, hein. vous voyez que c'est presque donné. Soit c'est un abonnement mensuel de 35 euros par mois, soit c'est un abonnement annuel de 360 euros par mois. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à tout ça pour moins d'un euro par jour. Moins d'un euro par jour, 360 euros par an. C'est vraiment gratuit. Hein Donc, euh, si ça vous intéresse, je mets le lien ici concernant le club. Alors, voilà, bah choisissez l'une ou l'autre. Donc, soit l'aide personnelle pour des personnes qui ont besoin de quelqu'un avec eux. Pour faire une analyse graphique, pour dire bah, si cette crypto est sur une bonne zone d'achat ou une bonne zone de vente, pour créer votre portefeuille ou l'optimiser. Et ou, parce qu'il y en a qui veulent les deux, le club privé, pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, qui n'ont pas forcément besoin d'une aide personnalisée et qui veulent accéder à toutes mes crypto-pépites que je partage tout le temps. Voilà. Soit l'accompagnement ici à gauche, et ou. Le club ici à droite. Voilà, donc maintenant, je réponds à vos questions. Ah, c'est Anne, je crois que c'est Anne Muse. Je crois que c'est Anne qui nous dit Je confirme, je suis monté dans le train de Doggy. Elle dit ça parce que j'avais fait une annonce à SNCF j'avais mis la musique de SNCF et j'ai dit Pour ceux qui ont le train de retard, il faut, parce que en fait le doggy, moi je l'ai acheté au tout, tout début. Dans le club, je l'ai présenté aussi à quelques centimes. J'ai acheté à 4 centimes, il est monté à 4 dollars. Fois 100. Euh, oui, fois 100. J'avais mis 1000, c'est monté à 100 000. Et donc c'est monté à 4 dollars. Et j'ai dit, non, achetez pas, euh, achetez pas, c'est trop c'est trop haut, n'achetez pas maintenant. On a attendu, on a attendu, on a attendu, att attendu on a attendu 1,50 il y a trois jours. Je l'ai dit dans le club, là c'est bon, maintenant c'est bon, vous pouvez rentrer si vous voulez. C'est le dernier appel du train, après il part. Touc. deux, trois jours plus tard, trois dollars. Donc c'est pour ça que je disais, c'est le dernier appel du train, après il partira. Alors il y a Divine qui nous dit Oui, c'est 100% vrai, tu as donné ces cryptas, ces cryptos qui ont monté fort depuis, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous ai montré les impressions écran pour vous prouver que c'est vrai. Alors, Mathieu qui nous dit Je recherche des fois 10 à x100 prêts à prendre des risques. Eh bien, rejoins le club c'est dans ce club que je partage ma liste d'objectifs x100. Et Dieu sait que j'ai passé beaucoup de temps pour euh, les dénicher. Et euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, je pense qu'elles ont un fort potentiel. Tu peux même payer le 35 euros par mois, rentrer dans le club, prendre cette liste et te barrer. Tu peux, mais tu vas voir que le club, c'est tellement bien que tu vas rester. Alors, voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. Vous voyez, c'était le 30 janvier. Hein, je ne peux pas vous mentir, c'est des impressions écran. Mais 20 cryptos qui ont le pouvoir de faire x dans les 12 à 24 mois. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je recherche, analyse et compare, puis sélectionne des centaines de cryptos pour rechercher les perles rares. Et je vous ai fait une liste de. Euh, de 20 crypto à potentiel x 100. Voilà, bah si vous avez des questions concernant le bitcoin, les crypto-monnaies, le marché des cryptos ou, euh, ou cet accompagnement ou ce club, dites-moi dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Alors, euh... Jean-Michel, donc qui est aussi dans le, le club, qui nous dit qu'il faut tenir compte aussi du gap des ETF et des autres investisseurs qui pumpent le marché. Cela devrait tenir encore jusqu'à vendredi. Ensuite, ça va s'essouffler un peu. Euh, le manque Bitcoin et Ethereum. Potentiellement, oui. Dois-je empocher des profits? Bah, pour moi, j'ai emproché des profits sur Bitcoin et Ethereum parce qu'ils ont toujours, ils ont un train d'avance. Mais les petites, stable, les petites cryptos, je n'ai pas pris de profit, sauf bien sûr Doggy parce que j'ai fait un x 100, donc j'ai pris du profit. Euh, mais euh, sinon, je ne prends pas de profit vraiment pour les altcoins parce que tout est encore à venir. Alors que le Bitcoin, il n'est pas loin de son plus historique et il ne va potentiellement pas faire un x 2. Euh, d'ici le pic du bull market. Donc du coup, je pense que c'est bien de prendre un peu euh, de profit sur Bitcoin. Un petit peu sur Ethereum. Et euh, après des cryptos, oui, mais quand on a fait des multiples énormes à la rigueur selon moi. Christine, génial comme toujours Jonathan, bah merci bien. Top, merci nous dit Olivier. Génial comme d'hab nous dit Mathieu. Alors, ah oui, c'est euh, Mathieu qui nous dit j'ai pas mal d'alcoins qui ont bien pété. Que dois-je faire Empocher des gains bah, Ça dépend, ça veut dire quoi bien péter Est-ce que c'est euh, 50% Est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est fois 100 Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis après, ça dépend un peu de toi. Ah, David, bah merci. Qui nous dit Je confirme que le club est super. Je suis à mon deuxième mois d'abonnement et c'est une très bonne surprise avec bon état d'esprit d'entraide et bonne ambiance. On va, bah, merci à toi. C'est vrai qu'en fait, euh, bah, les, les gens, d'ailleurs, il y a très très peu de désabonnements, euh, quasiment pas, parce qu'en en fait, les gens payent un mois pour voir et ils se disent Bon, je verrai. Et en fait, ils restent tout le temps. Parce que du coup, on est je suis parce qu'il n'y a que moi qui le fais du coup je suis d'une telle aide pour eux que sans du coup mon aide ils vont se dire oh, oui mais sans, sans lui du coup euh, je sais pas si j'arriverai à, à, à gérer la hausse mais aussi à gérer la baisse derrière parce que tout le monde se croit euh, super euh, super fort durant la hausse tout le monde se croit euh, voilà euh, hyper euh, intouchable mais vous allez voir quand ça va cracher vous allez voir ce que vous allez prendre je le sais, c'est mon troisième marché haussier. C'est mon troisième marché haussier. Donc, à force, j'ai de la bouteille. Et à force, je sais comment ça se passe. Et donc, je vous en fais partager. Alors, Bouchiki, B. Bushiki Bebushiki, qui nous dit Vous dites à quel moment vendre dans le club Oui, bien évidemment, c'est très très important de savoir quand acheter de savoir quoi acheter. Celles qui auront le meilleur potentiel, et de savoir quand vendre. Et quand faire des rééquilibrages. Par exemple, je vendrais ah ben là, il faut vendre un peu de Bitcoin pour acheter telle crypto. Euh, là, il faut acheter telle crypto. Là, vaut mieux la vendre. Je dis tout, 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 tout ce que je fais dans mon portefeuille. Tu as, une... Tu as toujours une très bonne analyse. Bravo. Ben, merci à toi. Je viens de m'abonner, me dit Guillaume. Ouais, félicitations à toi. Peux pas mettre des, des feux d'artifice, non. Bon, bah bravo à toi, Guillaume. Rejoins-nous avec plaisir, Alain. J'ai payé le club, mais je ne sais pas comment utiliser mon abonnement. Ah, bah si tu viens juste de le prendre, tu vas recevoir les accès de manière automatique. Si tu as payé par carte, euh, soit 35 euros par mois, soit 360 euros par mois. En fait, si c'est 35 euros par mois, tu as les accès tout de suite sur Sublunch. Tu verras le lien Sublunch. Et puis, tu reçois un email de confirmation, d'ailleurs. Soit tu payes 360 euros par an. Et là, du coup, tu reçois un email de confirmation avec euh, bah, le processus pour accéder au club. Et vous pouvez y accéder dès ce soir. Et regardez dès ce soir ce que j'ai noté aujourd'hui. Parce que Dieu sait que je tâche beaucoup de trucs. Alors, Jus qui nous dit Hello, mais du coup, il faut encore patienter que ça retrace pour acheter les cryptos potentiels x10 à x100 ou OK maintenant Ah, bah, Jus, ça dépend de, des cryptos. Si elles ont déjà explosé, elles ont déjà fait x4, bon, il va falloir attendre un retracement. Mais il y en a qui n'ont pas explosé. Mes objectifs x100, il y en a qui sont toujours plats. Donc, l'objectif x100 tient toujours. Euh, du coup, il faut regarder chaque crypto est-ce qu'elles ont explosé ou pas si elles n'ont pas explosé, tu peux les racheter. Enfin, en acheter. Si elles ont explosé, il bah, faut attendre encore un petit peu. Et je donnerai mes signaux à ce moment-là. Ah, Mathieu qui nous dit x5 en gros. X5 en gros. Je ne sais pas franchement si j'en prendrai. Prends-en un petit peu, je pense. Un petit peu. Ah, Philippe qui dit, je regrette qu'il n'y ait aucune de tes 20 crypto-pépites sur Binance ou Coinbase pour Doggy. Eh bien, c'est ça, Philippe, tu as tout dit. En fait, si on veut gagner plus que les autres, il faut faire ce que les autres ne font pas. Et c'est ça, c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des gens ne sont pas riches, parce que euh, la plupart des gens ne font pas ce que euh, la plupart des riches font. <laughs> je ne sais pas si vous comprenez. Et du coup, si on veut gagner gros, il faut faire ce que les gens ne font pas. Donc, il faut faire des choses qui sont souvent peu accessibles. Et donc, les cryptos qui vont faire x100 ne sont pas sur Binance, ne sont pas sur OKEX, sont sur des plateformes peu connues, voire décentralisées. Et oui, et dans quelques mois, quand elles seront listées sur Binance, tout le monde en parlera et fera x10, x20, x30, peut-être. Et, et nous, on récoltera nos bénéfices. Donc il faut avoir un train d'avance. Pour avoir un train d'avance, les cryptos fois 100, elles ne peuvent pas être sur Binance. Justice. Penses-tu que Bitcoin reviendra un jour à 9K Non. Dodgebird to the moon, yes. Et tu sais de quoi tu parles, je le sais. <laughs> Tu es bien loti. Ah, Guillaume, je suis juste abonné à ta chaîne, pas au club payant. Ah, d'accord. <laughs> eh bien, c'est bien. Tu peux aussi t'abonner juste à la chaîne. C'est gratuit. Alors, je vais remettre les liens parce qu'on euh, m'a demandé. Je remets les liens de l'accompagnement et du club. Je vais refaire une petite passe sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Tac. Donc, je disais, en fait, j'ai présenté tout à l'heure deux offres pour ceux qui ont besoin d'aide. C'est soit une aide personnelle, donc un trader qui vous aide personnellement en privé sur Zoom, soit à créer votre portefeuille crypto si vous n'en avez pas, soit à optimiser votre portefeuille si vous en avez un. Donc, il est là avec vous sur Zoom et il vous donne son avis sur votre portefeuille crypto. Il analyse des cryptos, il analyse des cryptos et il vous dit, du coup, si cette crypto est sur-coté ou sous-coté, donc si elle est sur un bon point d'achat ou pas. Ça, c'est l'accompagnement. Et où, il y a aussi le club privé. Donc, ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'une aide personnelle. Mais qui veulent passer au niveau supérieur et qui veulent accéder à tout mon portefeuille, toutes les cryptos pépites que j'achète à très fort potentiel, mon portefeuille objectif x100, les 20 cryptos objectif x100, toutes, toutes les cryptos de mon portefeuille, quand je les achète, quand je les vends, etc. Et ça, c'est le club privé. Vous avez les liens que je viens de partager à l'instant. D'ailleurs, ces deux trucs sont euh, limités. Hein. Euh, L'aide personnelle, c'est limité à euh, 20 personnes. Et le club privé, lui aussi, c'est limité euh, parce qu'au bout d'un moment, on va fermer cette offre 35 euros par mois. Donc, euh, n'attendez pas 107 ans parce que moi, je veux que beaucoup de personnes s'abonnent maintenant parce que c'est maintenant qu'on peut attraper les opportunités. Parce que moi, je veux que vous gagnez plein d'argent. C'est maintenant qu'on peut le faire. Ce n'est pas quand on sera euh, à la fin du marché haussier. Donc, c'est pour ça que les prix ne sont pas chers. Alors, Jamel, avec un 120 000 actuellement, puis-je faire un x8 ou x10 sur mon portefeuille avec 13 cryptos jusqu'au début 2025 Ah non, fin 2025, oui, début 2025, je ne pense pas. Euh, mais sinon, oui, le multiple est correct. X8, c'est possible d'ici fin 2025, euh, je pense. Oui. Mais il faut, faut vendre au bon moment parce que faire des gains, c'est bien. Mais il faut aussi encaisser au bon moment. Parce que ton x10, tu peux avoir un million, mais il peut s'évaporer. Tu peux très vite avoir un million, mais il peut s'évaporer très vite. Donc si tu ne sais pas vendre... Bah, tu seras millionnaire quelques heures ou quelques jours ou quelques minutes. <laughs> Donc c'est important ça aussi. Hein Alors désolé, il y a beaucoup de questions, je ne peux pas tout répondre. Ah Céline, j'étais sceptique, mais c'est vrai. Top le club, merci pour le doggy. Donc, ça, ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de personnes qui hésitent au début, ils se disent Ouais, bon, je vais voir. C'est pour ça qu'on a mis l'abonnement à 35 euros par mois, pour que vous regardiez, sans prendre trop de risques. 35 euros, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Pour ce qu'on peut gagner. Et euh, du coup, les gens testent, ils regardent, et puis tout, ils essaient, ils se disent oh, Ah, ouais, en fait, c'est vrai, ça marche Et du coup, euh, ils restent pour leur bien. Un replay de prévu Oui. Alors, oula, il y a beaucoup, beaucoup trop de questions. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais le club parce que je suis sûr à, de répondre à tout le monde. Mais en public, je ne peux pas répondre à tout le monde. Ah, merci The Steak qui nous dit pareil. Je suis dans le club privé. J'ai pris l'abonnement annuel direct, une vraie pépite. <laughs> Merci Jonathan. Moi, vous savez, j'adore le club. En fait, vu tout ce que je gagne dans les cryptos, franchement, c'est des, des SMIC annuels journaliers que je gagne. Des SMIC annuels journaliers. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent que je gagne tous les jours. Et du coup... Bah, si les cryptos prennent de la valeur. Hein. Sinon, j'en perds tout autant quand ça chute. Donc, je gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Et en vrai, je pourrais ne pas faire cette société. Mais ça m'intéresse beaucoup de faire des recherches et de les partager. S'il y a juste moi qui peux m'enrichir, bon, c'est bien. Mais si je peux les partager, c'est mieux. Et je ne peux pas faire gratuit parce que ça me prend du temps et parce que bah, une société, ça coûte cher. Il hein, faut, faut le support email, il faut le comptable, euh, tout ça. Et donc, je, je gagne presque rien avec 35 euros par mois. Vous vous rendez compte Il euh, y, y a 20 de TVA là-dessus. Donc, tu divises par 5. Et il y a 25 euh, d'impôt sur, le, euh, sur les sociétés. Vous vous rendez compte moins le support, moins les frais des logiciels, moins tout ça, vous vous rendez compte, avec 35 euros par mois, je suis à l'équilibre. Je ne gagne pas vraiment. Mais ça me fait plaisir de partager euh, mes investissements. Alors, génial, mais investi dans des nouvelles chemises. Alors ça, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Ce <laughs> n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais euh, c'est sentimental. Loulou Argos, bonjour. Je viens de rejoindre le club. Bravo à toi. Je rigole bien sûr <laughs> pour la chemise. Pas de souci. Bon bah, je vais y aller puisque ça fait déjà une heure. Au plaisir, en tout cas, euh, soit de, que vous restiez au moins abonné à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. De toute façon, je ferai des lives aussi sur cette chaîne YouTube, des vidéos, c'est gratuit. Si vous avez besoin d'accompagnement, c'est facultatif. On est là pour vous aider. Pour vous aider à surfer au mieux cette euh, hausse à venir et éviter au maximum la baisse derrière. Parce que tout ne sera pas aussi vert qu'on le voit actuellement. Il y aura des baisses et il faudra les gérer. Voilà. Bah, C'était un plaisir en tout cas de faire cette analyse avec vous. J'en ferai une à deux par mois, une analyse complète du Bitcoin et des crypto-monnaies, comme je l'ai fait au début de ce live, rappelez-vous. Euh, C'était un plaisir. Merci pour vos likes et bonne soirée à vous. Ciao, ciao.